Bonjour. Ça va? Ça va pas? Non, malheureusement. Malheureusement, non, je peux parler avec vous, vite fait, ça vous dérange pas? Ah, il commence à faire froid aujourd'hui, hein. Enfin, ça commence à faire froid là. Ouais. L'hiver qui s'approche et tout. 20 centimes. 20 centimes. Quelques centimes en bas. 30 centimes en pièce de 5, de 2 et de 1 centimes. Toute la journée. Ouais. Ça vous dérange pas si je demande, ça fait combien de temps que vous êtes SDF? 27 ans. 27 ans combien? Je vais vous donner quelque chose. Attendez, 40, 50. J'espère que vous allez vous en sortir. Hein. Ouais, j'espère aussi. Hein. Et ça ira mieux. Un jour, ouais. Faut pas perdre l'espoir. Hein. Ah bah non, ça je le perds pas, non. Ouais, faut toujours garder les épaules hautes. Je me raccroche la tête. J'ai pas le choix. Hein. Ouais, vous avez raison. Ouais. Ah, passez une bonne journée. Bah, merci. Et bon courage. Hein. Depuis avant, il vient de rentrer dans des foods. Là, il est rentré dans Carrefour City. Est-ce qu'il a pris, il a pas pris la nourriture quand il est rentré dans des foods? Non, il a fait quoi? Il est rentré. Il a pris café. Ah, café. Là, il est rentré dans Carrefour City. On va voir ce qu'il va faire. Ah, le pauvre, il doit avoir faim. C'est normal. Je dois acheter à manger. Ah ouais, il a acheté quoi? Il a acheté des bouteilles d'eau. Un sachet. Ah ouais. Jure, oui, j'ai acheté des baguettes. Oh, je suis choqué, les gars. Non, il redonne aux STF, frère. C'était pour ça. Il a acheté des baguettes. Ouais. Attends, mais demande comme ça, il te voit pas. C'est pour ça, il a acheté tout ça. Là, il est rentré dans Normand. J'ai dit juste avant, si je reçois l'argent, si je reçois 100 euros, frère, j'aurais dépensé tout pour moi. Pas pour les STF et tout. Alors que lui, il a acheté de la nourriture, ils sont rendus, je t'as vu, bouteille d'eau, il redonne aux STF, frère. Je te jure. Imaginez, les gars, vous, quelqu'un vient vous donner 100 euros, vous aurez fait quoi? Vous aurez partagé avec quelqu'un d'autre? Dites-moi dans les commentaires. Même si dites-vous, vous avez faim toute la journée, il est là depuis 8 heures, il m'a dit. Ça fait 27 ans, il est dehors, frère. Depuis 8 heures, il était là, il a que gagné 30 centimes, frère. Imaginez, vous avez faim, un gars vous donne 100 euros, vous aurez fait quoi? Dites-moi dans les commentaires, les gars. Ah, il prend du temps, hein. Mon expérience sociale pour voir comment vous allez réagir quand on vous donne 100 euros. Et du coup, ça vous dérange pas si. Ouais, c'est pas tout. Et franchement, j'ai vu que vous êtes allé dans le magasin, vous avez acheté des trucs. C'était quoi vous avez acheté? Du jambon de dinde, au départ des sandwichs, et après j'ai acheté des baguettes et jambon de dinde. Ah ouais, franchement, des gens comme vous, c'est vraiment rare. Hein. Bah, je sais. Mais une fois, on m'avait donné 400 euros, j'ai donné la moitié aux autres SDF. Non, c'est vrai? Ah ouais. J'espère la prochaine fois je peux redonner plus que 400. Sur TikTok, il y a une vidéo de moi que je suis en train de. J'aide un aveugle à ramasser des sous. Ouais, c'était moi. Des sous. Mais c'était moi. Voilà. Ouais, c'était moi. J'allais vous dire là juste avant, quand on aurait fini tout ça. Et franchement, j'aurais jamais pensé que vous allez partager comme bah, ça si, avec. Hein, si, moi, il n'y a pas de problème. Moi. J'ai, du coup, j'ai tout le temps aidé. Tu peux demander. Il me connaît depuis longtemps et j'ai toujours aidé. Ouais, j'ai vu juste avant. Et la plupart des gens que vous avez donné, vous les connaissez? Ouais. Ouais. Bah, sauf ceux de la Grand Rue. Ceux de la Grand Rue, je les connais pas, mais la dame roumaine au départ, oui. Et eux, je les connais, oui. Ah ouais. Bon, la plupart des gens, je les connais. De toute façon, ça fait 27 ans que je suis dehors. Donc, 27, ouais, j'ai dit 27 ans. Voilà, vous m'avez dit, ouais. Franchement, ça fait plaisir pour voir des gens comme vous. Hein. Bah, je sais. Malgré vous êtes dehors, tout ça. Voilà. Vous êtes quand même prêt à aider. Il faut aider, même si on est dans la galère. Mais vous inquiétez pas, tout ce que vous avez fait aujourd'hui, ça va vous revenir, ça, d'une bonne manière. Peu importe que ça me revienne ou pas, hein, je sais que c'est pas pour moi que je le fais, c'est pour. Ouais, je sais que c'est pas pour que les gens vous redonnent, que vous avez fait ça, je sais. Voilà. C'est par le cœur que vous avez fait ça. C'est comme pour aider les gens, il y a beaucoup de personnes que j'ai aidées et je continuerai à les aider hein, tant que je peux. Hein. Ça, c'est vraiment. Moi, si je reste à la rue, c'est parce que justement, j'ai pas envie qu'un gamin soit à ma place. Hein. Ça me ferait chier de me dire, voilà, je m'en vais de la rue et de voir un gamin qui se met à ma place. Ouais, c'est parce que l'État veut qu'il y ait autant de personnes à la rue. Ouais, ça. On va pas rester.
Et je peux vous faire un câlin, ça vous dérange pas? Et j'espère que vous allez vous en sortir. Bah, j'espère aussi, un jour ou l'autre. Hein. Ouais. Et passez une bonne journée. Vous êtes toujours, vous serez toujours là-bas où vous êtes d'habitude? Tous les après-midi, la plupart du temps, je suis là-bas. Ok, ça marche. Bon, bonne journée, hein. Merci. Hein. Au revoir, merci. Merci aussi. Malheureusement les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Moi, ça m'a vraiment choqué. Jusqu'à ce moment-là, je suis choqué. J'aurais jamais cru qu'il allait faire ça, ce qu'il a fait dans la vidéo. Si vous avez aimé les gars, mettez un pouce bleu. Mettez un commentaire pour le référencement, n'importe quel. Dites-nous ce que vous avez pensé de la vidéo. Et sur ce les gars, n'oubliez pas. Tout ça, c'était grâce à vous. À bientôt.